Bonjour, bienvenue dans l'atelier Christelle. Aujourd'hui, je vous propose une recette très simple, qui est une recette mauricienne, celle des œufs rôtis, appelés disef rôtis en créole. Vous expliquer, les œufs rôtis en fait c'est une spécialité sino-mauricienne, donc qu'est-ce que ça veut dire? Sino c'est chinois, donc de la communauté chinoise à l'île Maurice, donc c'est la communauté Hakka. Là en fait on a des œufs durs qui ont cuit tout simplement dans une petite sauce, dans une petite mixture que je vais bientôt vous expliquer. Et cette recette peut s'utiliser donc pour un apéritif et également vous pouvez manger les œufs rôtis avec des nouilles tout simplement cuites, des nouilles chinoises cuites à l'eau. Pour cette recette, il vous faudra bien sûr des œufs, des 5 épices, du sucre roux, un peu d'eau, du sel. Sans oublier la sauce soja, donc bien choisir une sauce soja salée et foncée. Je vous propose dès maintenant de passer à la recette. Je commence donc par chauffer ma poêle. Je préfère prendre une poêle parce que comme ça j'ai une vision globale de ce que je suis en train de faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mélanger tous les ingrédients. Donc, la sauce soja, l'eau, le sucre, les 5 épices, le sel. Pour les 5 épices, pas de panique, si vous en avez pas, je vous conseille tout simplement de mélanger de la cannelle, de la badiane, donc aussi appelée anis étoilé, des clous de girofle, etc. pour avoir tous les parfums des œufs rôtis, parce que finalement, pour moi, c'est les trois dominantes qui ressortent, ce sont ces trois épices. Vous allez vraiment mélanger tout cela, attendre aussi que le mélange bout et finalement chauffe pour épaissir. Une fois que le mélange est en train de bien de frémir, et vous allez prendre les œufs que vous avez fait bouillir avant, des œufs durs. Là, il y en a 10. Et vous allez prendre les 10 œufs et vous allez mettre dans la sauce plutôt. Après, ça va être simple. Il faudra arroser. Le but en fait c'est que les œufs vont prendre la couleur au fur et à mesure que ça va bouillir, s'épaissir, donc faudra vraiment être là pendant je dirais une quinzaine voire une vingtaine de minutes pour bien arroser les œufs, pour que les œufs s'imprègnent bien du petit mélange. Et au final après ça naturellement ça va finir par devenir brun. Moi, les œufs rôtis, par exemple, à l'île Maurice, j'adorais. C'est quelque chose, c'est vraiment un classique, hein, je vous en parle. C'est une recette que ma mère faisait pour des apéros. Vous recevez du monde, vous ne savez pas quoi faire. On a toujours des œufs dans son placard. Vous prenez les œufs, vous les faites bouillir pour avoir des œufs durs. Et après, ben voilà, le tour est joué. C'est assez simple finalement, vous faites ça. En plus, vous pouvez les faire la veille, les garder, c'est encore meilleur. Ils sont juste délicieux. Alors, c'est sûr que c'est hyper simple, que vous pouvez en trouver partout. Mais chez Ayoun, c'est là où j'en mangeais justement avec les fameux, ce qu'on appelle minbouillis, qui sont les nouilles cuites à l'eau, les nouilles nature finalement chinoises. Merci d'avoir regardé la recette de mes œufs rôtis, donc appelés disef rôtis en créole. N'hésitez pas à retrouver cette recette dans la description de cette vidéo ci-dessous et sur mon blog à l'atelierdechristelle.com. Et pour finir, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, donc l'atelier de Christelle également. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des petits pouces, ça fera toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne.